Hey, salut tout le monde, c'est Lady, on se retrouve pour une petite vidéo sur Xur, donc l'agenda neuf de la semaine. On va aller voir un petit peu où il se planque. Alors je suis avec Pitivier pour cette vidéo, si j'aimerais te faire un petit coucou. Hey, salut à tous, c'est Pitivier. Et donc on va aller voir un petit peu où il s'est caché, le petit malin de Xur. Donc il est à l'avant-garde, sur la droite, donc en général il y a toujours 1 million de personnes dessus. On va se faire un petit chemin et on va aller voir ce qu'il a à nous vendre cette semaine. Donc on commence avec un casque de titan, donc ça c'est plutôt cool pour ceux qui n'ont pas encore d'équipement exotique. Donc moi je suis arcaniste, donc on va passer vite fait. Classe des chasseurs, donc pareil, un casque, c'est cool. Et arcaniste, eh bien il nous a remis les gants comme il y a environ 2 semaines. Donc là, c'est pas terrible, c'est vrai qu'un torse ça aurait été vraiment cool, mais j'ai l'impression qu'il n'en vend pas. Enfin, pas pour cette classe, en tout cas il y en a eu pour le chasseur, je crois que vous avez eu un casque. Oui, j'ai eu un casque et un torse. Voilà, mais nous, on n'y a pas le droit. Ensuite, concernant les armes, eh bien, fusil à impulsion. Donc là, un petit peu déçu, parce que moi, je ne joue pas au fusil à impulsion pour les joueurs de fusil à impulsion, pour les impulseurs. Ben voilà, c'est cool, hein, vous avez un fusil exotique niveau 300. Impulseur compulsif. Voilà, contre 23 pièces étranges et l'engramme exotique que je ne prendrai jamais, parce que j'ai peur toujours de craquer mes particules de lumière. Quoi qu'en même temps, j'ai l'impression que ça ne sert qu'à ça. Donc au final, je vais peut-être me lancer un de ces quatre. Concernant les raretés, pas de grandes nouveautés. On retrouve les munitions spéciales, les moteurs pour les véhicules et puis bien les télémétries. Donc ça, c'est les petits trucs que vous pouvez acheter et activer histoire de gagner plus de lumen, plus de vitesse, plus de force. Enfin, il y a un peu de tout. Par exemple, celui-là, tac-tac-tac, ça permet d'améliorer le rythme d'amélioration de vos fusils éclaireurs. Pareil pour les autres en fusil de précision et pareil pour les derniers en lance-roquettes. Donc en fait, c'est des améliorations d'armes. Et la petite déception, et là je crois que ça va être définitif, c'est que dans les ravitaillements tout en bas, en dessous ravitaillement, au début, on avait la possibilité d'échanger des lumens contre des pièces étranges. Et j'ai l'impression que ça a disparu. Donc ils se sont peut-être rendu compte que c'était un peu trop cheaté et nous l'ont enlevé. En tout cas, c'était accessible la première semaine. Là, on est la 4e semaine des cadeaux de Xur et on ne le retrouve toujours pas. Donc ben voilà, je pense que ça a définitivement disparu, malheureusement. Voilà, c'était le petit cadeau de Xur de la semaine en compagnie de Pitivier. Et salut. Et donc, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Destiny. Ciao, ciao. Salut. Et salut. Je ne savais pas quoi dire d'autre.